Bonjour tout le monde, ici AZNK en train de jouer Grand Theft Auto San Andreas Edition Dium. Aujourd'hui, je vais jouer une mission créée par Farum et le nom de la mission est A Date with Death, qui est sa 11e mission de sa série Jimenez Brothers Industries. Alors, pour éviter de perdre du temps, je vais commencer à rouler cette mission tout de suite. Bon, on a la vue de Los Santos. Ben, je veux dire, une partie de Los Santos. Je suis Monsieur Jimenez. Je vous ai appelé hier pour un problème de plomberie. Oui, je me souviens. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de travail. Mais je vais essayer de passer en fin de journée. Wow, qu'est-ce qui se passe? Le jeu, il a gelé. Je pense que je vais refaire ça, ce sera pas long. Bon, apparemment, j'ai lancé la mission pour plusieurs fois, maintes fois, et ça n'a pas marché. Le jeu, il a toujours gelé dans le même endroit, après la même dialogue. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer une autre mission, malheureusement, j'ai pas le choix. Et le nom de la mission est Boys and the Hood, qui est ça... Voyons voir... 12e mission de sa série Jimenez Brothers Industries. Alors, pour éviter de perdre du temps, je vais commencer à rouler cette mission tout de suite. Vas-y, embarque. Oups. Va au garage Tao à Vital Field. Et je rentre de passage chez Grove Street. Ben, chez les Johnson Brothers. Ils sont pas là, malheureusement. Ok, voilà. Il y a un ralentissement. Je ne sais pas pourquoi. Je vois une carte, mais ça c'est la carte du Caligula Casino. Dépêche-toi un peu, on n'a pas toute la nuit. Le boss va bientôt arriver, viens nous expliquer ton plan. On dirait que c'est trop tard, votre patron chéri est déjà là. Oh, ça c'est le plan génial de notre ami Howe. Je suis perplexe devant ça. Tu n'as aucune raison de l'être, boss, c'est le plan le plus radical que j'ai trouvé. Radical? Tu te fous de moi? Ton plan est juste foncé dans le tas. Mais c'est la meilleure solution pour allumer ces gars de East Los Santos. Non, pauvre con. C'est carrément du suicide. Donc si je comprends bien, vous avez prévu aucun plan. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi c'est moi le patron et pas vous. Tout d'abord, vous devez comprendre que East Los Santos grouille de balles. Non, il faudra se rapprocher du bordel de King Bee en étant très discret. Et quand on sera suffisamment près du bâtiment, on pourra donner l'assaut. Et vous verrez que ces balles tombera comme des dominos. Maintenant, je vais attribuer les rôles. Mike et Drew Jr. Vous allez rentrer dans le bordel avec moi, mais seulement à mon signal. C'est noté. Très bien, boss. Ashley, tu vas me couvrir avec un fusil de sniper. Trouve un coin tranquille et en hauteur. J'essaierai de me rapprocher du bordel sans me faire repérer par les balles. Et moi, je suis supposé de faire quoi dans cette histoire? Rien du tout. Le boss a dit que tu étais inutile. Hé 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 hé.
Allez tous vous faire foutre, ok? Ah. Il y a un hélico posé près de notre entrepôt. Tu vas l'utiliser, je te laisse deviner ce que tu vas en faire. Un hélico? Depuis quand on a un hélico? Ce n'est pas important de savoir comment on l'a eu. L'important, c'est de le mettre au travail. Wow, c'est vraiment le bordel, leur place de réunion. Voilà ce que j'appelle en général. Il est temps de partir, nous aussi. Va au parking de souterrain East Los Santos. Où allons-nous, Marco? On va au parking souterrain de East Los Santos. C'est un bon endroit pour se planquer. Va au parking souterrain d'East Los Santos. The police harassing you for doing nothing. I just hate showing up to some place to enjoy myself and people are being forced from their homes by war or famine or whatever. Life is great! Stop ruining it! Next caller. Hey, the FBI wanted to talk to me about a perfectly innocent collection of vacation photographs overseas that I had no idea were being taken. I mean, any ignorant fool... Oui, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de trafic. I wanted to stop for a moment la prise to get you from my travel journal. I think everyone should keep a journal, paste pictures, notes. Sometimes people object to taking a picture. Put a few pennies of their local currency and they will fawn. Some people think this is patronizing, but I think it is fair enough. They need the money and I need the company. Besides pas sérieux. Which, it is the oldest profession. Que l'auteur a tout planifié en avance. Oh, time for me to head south again. Je suis passé de là. Mais je pense que c'est illégal. This is WCTR, committed to bringing you shows like The Wild Traveler, the show that takes you around the world. Je pense que l'auteur, il n'y a pas prévu que je passerai dans les ruelles. Mom, Josh just broke the vodka bottle on your nightstand. Chris did it. You little shit, I'll kill you. Raising a family in the suburbs is tough, especially when you used to be a hip single woman on her own in a cool enclave of town. With today's stresses, it's difficult to maintain a loving exploratory sex relationship with your husband and bon, voilà. The temptations to kill your own children. Rentre dans le parking. What can I do? Allez, suis-moi, ma belle. Je te suis. Elle te suit, je veux dire. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les gars de King Bee patrouillent chaque centimètre carré d'East Los Santos. T'exagères, centimètre carré. Je dirais plus une dizaine de mètres carrés pour être plus réaliste. On doit rester discret. Chaque seconde dans ce quartier est cruciale. Il est temps de partir. Très bien. Je t'ouvre la porte et je vais trouver un coin tranquille. Vas-y, mets ton mot de passe. Rapproche-toi de la forteresse de King Bee en exécutant les personnes sur ton passage. Ok, et je suis équipé de quelle d'arme? Exécute le dealer des balles. Est-ce qu'il me voit ou il me voit pas? Je pense qu'il a le dos tourné.
Wow! Quelle tuerie! Quoi qu'il manque le sang, mais en tout cas, le jeu est assez violent. J'ai besoin de boire quelque chose. Restez là, les gars. Exécute le palace. Oh zut. Je pense qu'il m'a aperçu. Il s'en vient. Je sais pas s'il y a d'autres membres du palace dans le coin. Faudrait que je dépêche, sinon je suis dans la merde. Dans la merde, disons. Voilà! Je t'ai eu! Je suis mort! Je dois aller pisser. Garde bien la place, Barry. Exécute le ballast. C'est dur. Ah, ok, il est là. Ah, zut, j'ai manqué mon coup. J'ai manqué mon coup. J'ai pas le choix de le tuer. Mais je sais pas combien de vie qu'il a. Alors, je tente ma chance. Je sais pas qu'est-ce qu'il est supposé d'être cette scène. Va te poster dans la ruelle. Je vais prendre des armes juste en cas. Oh zut! Quelqu'un m'a tiré dessus. On t'a dit de ne plus revenir ici, pauvre connard! Reste avec notre ami, je vais remettre les fusibles du club en place. Exécute le pimp des ballas. On sait que quelqu'un me tire dessus. Ah, c'était lui. C'est pour ça que tout à l'heure, je me suis même pas aperçu. Je peux même pas l'atteindre. Genre, j'ai même pas un une arme que je pourrais tirer de loin. Oh wow. On dirait que l'auteur il a prévu tout ça en avance. Il faudrait que je suis vraiment discret là, parce que je sais pas où se trouvent mes ennemis. Je veux dire, il y a des cartes, il y a des gardes là, qui se cachent dans les endroits que j'ai aucune idée. Et ils risquent de me faire tuer. Je risque de me faire tuer à cause de ça. Exécution. Je suis mort! Rapproche-toi de la forteresse de King B, il va prendre l'échelle. Forteresse de King B et rapproche l'échelle. Ok. Je suis pas vraiment sûr de quoi faire, mais en tout cas, je pense que je vais aller là-bas. Pas d'autre choix, on dirait. Sérieusement, je sais pas où je vais aller là. Peut-être c'est pour diminuer le nombre de gardes dans le coin. Oh, je pense que quelqu'un m'a aperçu. Attends de tirer ça. Voilà, t'es mort. Je vais prendre ton pistolet. Ouais, c'est comme l'auteur dit, à chaque centimètre. Ça n'a pas l'air de centimètre pour moi en tout cas. Ah zut! Est-ce que c'est là que je dois aller? Oh zut, il y a quand même beaucoup de gardes. C'est pas vraiment une mission facile parce que... je vois pas très bien... Oh zut! Je vais mourir, Quelqu'un m'a aperçu.
Et où se trouve-t-il? Je vais mourir là, de toute façon, j'ai pas le choix. Ouais, ça, je suis mort. Je vais refaire la mission. En apprenant mes erreurs. Bien sûr. Bon, me revoilà à la partie que j'ai échoué. Ouais, je pense qu'il y a des voitures partout. Vous savez quoi? Je pourrais les tuer directement. Hein. Ils sont faciles à les tuer de toute façon. Je sais qu'ils sont nombreux, mais il faudrait que je prenne attention aussi là. Ok, celui-là je vais le tuer. Voilà, il est mort. Ouais, c'est ça que j'ai fait, étant donné que je me suis aperçu que tous ces ennemis-là peuvent être tués en les visant sur leur tête. Je pourrais genre les tuer et prendre leurs munitions. Je suis pas vraiment obligé de rester caché et les tuer avec un poignet. Quoique, ce serait mieux d'être prudent. Rapproche-toi de la forteresse de King Bee en te planquant derrière la caisse. Ok, je vais t'exécuter. Bon. Waouh. Ils sont même pas perçus, vraiment pas du tout. Toi, tu vas mourir. Ouais, c'est ça, j'économise les armes. Comme ça, s'il y a un ennemi qui m'a aperçu, là, je pourrais me défendre. Bon. Ok, il faudrait que... Oh, quelqu'un m'a vu. J'attendais de l'exécuter. Hey, pourquoi? Bon, voilà. C'est pas juste. Je pensais que j'étais déjà dans la distance. Ah, ok. Voilà. C'est ce qu'on appelle un bel hélico. Monte dans le Sea Sparrow. Sea Sparrow? Ok. Va à Isla Santos. The day of liberation is here. Throughout history, only the biggest and strongest survive. Being big means you're successful, and women love big men. And as a successful man, you need to feel comfortable when you're sitting down to eat. Clothes for the bigger man. Don't be bound by society, bogus medicine, and the media with their unhealthy focus on being skinny. Don't be constrained by trying to squeeze into a triple X. Bored of feeling like a man in a sausage skin in your size 48 jeans? Bored of being uncomfortable? Kilimanjaro, the clothes shop for enormous men. We're fighting to end hunger. Yours. It's a favorite show with serial killers and stalkers. Lonely Hearts is next. Qu'est-ce qui se passe? Le jeu a gelé? Ah, c'est pas juste. Je vais refaire.